Au départ, une centaine d'artistes sélectionnés. Au final, 5 artistes nommés. Valérie Favre. C'est pas tellement Disneyland chez moi. Frank Skurti. Si une vieille planche pourrie arrive à toucher quelqu'un, c'est gagné. Bertrand Lamarche. Je crois que je suis attiré par une forme de vertige. Daniel Dewar et Grégory Jiquel. C'est-à-dire que travailler à deux, c'est comme travailler seul, sauf qu'on est deux. L'un d'eux deviendra le lauréat du prix Marcel Duchamp 2012, le prix le plus prestigieux décerné en France dans le monde de l'art contemporain. Vous allez suivre la vie et le travail de ces 5 artistes, en France et à l'étranger, dans leurs moments de doute, de joie et d'intimité. Vous allez suivre toutes les étapes de ce prix jusqu'à la nomination du lauréat. Le 12e prix Marcel Duchamp est attribué à... Dans l'art à tout prix, vous découvrirez également les dessous de 2 expositions exceptionnelles et monumentales avec 2 stars de l'art contemporain. Wim Delvoye, exposé au Louvre aux côtés des grands maîtres de l'histoire de l'art, et Johanna Vasconcelos, s'installant dans le grand appartement de la reine au château de Versailles. L'art à tout prix, présenté par Louise Eklund et Olivier Picasso, le 20 décembre à 23h15 sur France 2.